Sir, je m'appelle James McBride. J'ai fait un livre de James Brown, le Godfather of Soul. C'est un livre qui couvert sa vie parce que lui, il est un homme avec... il a caché, beaucoup de cachets, many secrets. Et j'ai découvert beaucoup de secrets de lui. Et alors, aussi, sa vie, c'est un métaphore pour la vie de l'Amérique. C'est-à-dire que la chose qui a passé dans sa vie est presque la même chose qui vous signifiait la chose, la vie de l'Amérique. Vous comprenez? Par exemple, il est né dans un coin qui n'existe pas maintenant. Parce que cette ville était détruite par le gouvernement des États-Unis pour faire une usine qui a fait des bombes nucléaires. Il s'appelle... il faut chercher dans le livre, mais c'est une grande usine de bombes. Et ils ont détruit 6 villes qui sont pleines de les Noirs qui étaient pauvres. Et James Brown, il vient de cette coin. Et alors, donc, il est un enfant de l'âge nucléaire des États-Unis. Et c'est ironique parce que lui, il est le godfather of soul. Mais aussi, il y avait des problèmes dans sa vie parce que, tout le monde croit qu'il était fou, il avait le problème avec les drogues comme ça. Mais en fait, les drogues, ça venait dans sa vie à la fin. Parce qu'il était désolé, il a cru que personne ne l'aime bien. Il était triste. C'est à cause de ça. Mais pendant la majorité de sa vie, lui, il ne fume pas, il ne fait pas de drogue, il ne boit pas. Mais les États-Unis, chez moi, en Amérique, il a toujours cru que James Brown était quelqu'un très, très, très fou. Mais alors, il y a une autre chose, mais que James Brown, c'était un musicien fabuleux. C'est-à-dire qu'il connaît bien la musique. Il jouait l'organ, il jouait le drum, il jouait la guitare. Et sa vie musicale, ça traverse tout type de musique américaine important. C'est-à-dire le jazz, le blues et finalement le rhythm and blues qui... C'est lui qui l'a construit la majorité, à mon avis. Et finalement, il faut que je dise que le rap, le hip-hop, tous les samples des mille morceaux, ça vient de la musique de James Brown, le tout, ta, 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 ça vient de James Brown. Aussi le travail de la guitare, le gunner, 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 tout ça vient de James Brown. Donc, il est un musicien fabuleux, il est un Américain qui était mal misunderstood par tout le monde. Mais maintenant, c'est fini, ce problème, parce que James McBride, il a fait un livre de James Brown, et voilà. Quand j'étais un garçon dans ma maison, James Brown était comme le roi, était comme le dieu. Tout le monde connaît James Brown et tout le monde connaît que James Brown il veut que vous fassiez vos études à l'école, à lycée. L'éducation, c'était très important à lui et d'être propre. Fais pas le crime, fais pas les mauvaises choses. Montre le respect à tout le monde. Donc, mais chez moi, il était quelque chose de grand. Aussi, ma sœur, elle habite pas loin de moi. Elle habite dans le même coin.
Et ma sœur, elle a fait sa connaissance parce que elle a fait quelque chose que personne a fait. Elle a frappé sur le port et elle était là. Elle a dit bonjour. Elle a dit à ma sœur Daddy, elle s'appelle Daddy, elle a dit stay in school, Daddy. C'est-à-dire que fini les études et bon. Quand elle est revenue chez nous, oh, c'est enfin. J'avais l'impression qu'elle était blessée comme quelque part parce que Jésus-Christ, c'était comme ça, elle était comme un rat.